Léo, tu vas changer de bécane aujourd'hui. Et pourquoi? Surprise du chef. Allez, faut être polyvalent, mon vieux. Allez, viens. Bon, t'as tout bien compris? De toute façon, tout est écrit là. Tu vas la kiffer, cette bécane, tu verras. Bordel! Le patron, il dit que c'est ma faute, maintenant il veut ouvrir une enquête! Mais merde, Léo, explique-moi! J'avais pas compris. T'avais pas compris quoi? C'était écrit! C'était écrit ou pas? Ne jamais apposer sa main sur la marche gauche, non? Ouais, je crois. Tu crois? Maintenant, c'est sûr qu'il va me la foutre sur le dos, cette putain d'enquête! Vas-y, mon quoi, les 6 semaines, là, d'arrêt, là. Ouais, quand même. Putain, je sais pas comment on va faire. T'es d'accord que je t'ai dit de les lire, ces consignes de sécurité? Eh oui. Tu les as pas lues, c'est ça? Tu les as lues ou tu les as pas lues? Putain, c'est écrit en gros comme ça, là! Merde! Tu sais pas lire, bordel de merde! Tu sais pas lire, c'est ça? Faut pas que tu le dises. Putain, mais c'est pas lire! C'est pas possible! Mais pourquoi tu me l'as jamais dit? Mais je sais pas, moi, putain, je vais dire que j'ai oublié de les lire, ces putains de consignes, voilà! Que oui, oui, tu m'as tout expliqué, mais t'as pas intérêt à en parler, ok? Eh oh, doucement! Doucement! Je fais ce que je peux, moi! Je vais faire mon mieux, d'accord? Repousse-toi, va. Et puis je reviendrai te voir. Voilà, la sécurité sociale c'est fait. Vous avez une mutuelle avec votre travail, donc ça va. Ah, il vous faut trouver. Il vous faut une infirmière, c'est ça? Bon, on va regarder près de chez vous, hein. Alors. Vous ne profiterez pas de votre congé maladie pour vous inscrire à un stage de formation, vous savez, pour apprendre à lire. Il y a un stage de formation à l'ACPM qui commence lundi. Ça serait bien, non? Non. Non, parce que je... Non. Ce serait l'occasion. Oui, mais je vais reprendre le travail quand même. Oui, mais en attendant. Non, il faut le temps de me soigner. Bon. Dommage. Alors... Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il y a une infirmière indépendante juste dans votre immeuble. Je vais l'appeler pour le premier rendez-vous et les papiers, mais pour la suite, vous pouvez me donner votre téléphone. Je vais vous mettre son numéro dedans et son nom. Alors, elle s'appelle... Daoud Nora. Et je vais vous mettre aussi une croix rouge pour que vous compreniez bien que c'est l'infirmière qui vous appelle. Ok? Par contre, je veux pas qu'elle sache. Quoi? Bah, que je sais pas lire.
vous en servir, mais faites attention quand même. Et appelez encore à vif. Il faut surtout pas qu'il y ait de choc sur la main. Vous êtes droitier? Ouais. Ah bah tant mieux. Soulevez un peu votre main, s'il vous plaît. Violette, t'approche pas trop, chérie. Il s'appelle comment? Il s'appelle Iggy, comme Iggy Pop. Mercredi, c'est compliqué. Les hommes veulent bien prendre les enfants le week-end, mais mercredi, c'est très rare. Il y a encore beaucoup de travail en voie l'égalité parfaite. Hop. Voilà. Prenez bien vos antibiotiques, hein. Autant d'habitude, quand c'est pour tout n'importe quoi, je suis pas pour, mais autant là, va falloir être sérieux. Vous faites pas d'allergie? Non. Bah, à part les fruits de mer, mais c'est tout. Ah bah, c'est dommage, hein. Moi j'adore ça. Vous prendrez bien la morphine pendant 10 jours par voie orale. C'est-à-dire? Par la bouche. Et c'est quoi la couleur des gélules? Rouge et blanc, c'est celle-ci. Et on s'est jamais croisé dans l'immeuble? Non, parce que je pars tôt le matin et je rentre tôt l'après-midi. Oui, moi j'ai pas d'horaire. Tu dis au revoir, Violette? Salut. Je pourrais revenir voir Iggy? Bah, si tu veux. Et tu viendras voir ma maison aussi? On verra. Bon, allez. Bon, bah, à demain. À demain. Faudra faire des examens, Madame Pérez. D'accord. C'est important. D'accord, d'accord. Regardez, tout est écrit là. Hein? Vous la donnerez à l'hôpital? Bien sûr. Vous la mettez là. Je vous la pose sur la table de nuit? Merci. Oui, ça va aller. Merci. À bientôt. Au revoir, docteur. Au revoir. Ça va aller. Profitez d'elle, monsieur. Elle était un agent, il faut profiter d'elle. Au revoir. Au revoir. Elle est jolie, cette femme, hein? Elle est divorcée. Quel malheur. Mais quand est-ce que tu vas me présenter quelqu'un? Ça va, mamie, c'est bon. Mais c'est pas possible d'être beau comme tu es et ne servir à rien pour l'humanité. C'est important, l'amour, hein. Et les enfants, ça fait de la compagnie. Hein. Tu sais, je suis pas éternelle, moi. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que les femmes veulent d'un type qui sait pas lire? Dès que je vais leur annoncer, elles vont prendre leurs jambes, leurs coups, et on me laisser, tu vois. Bon, que t'as essayé? Mais je le sais très bien. Je le sais, sinon je t'en parlerai pas. Faut que t'arrêtes avec tes revues, là. Oui, je dis, viens. Viens. On va être bien, là, tous les deux. Tu repars à quelle heure? Je sais pas, d'ici une heure ou deux. Oh, alors, on pourra regarder Plus belle la vie ensemble, hein? Si tu veux. Oh. 57 à 12, est-ce qu'on se lame? Il reste un mot. Il reste un mot, Armand, faut essayer là. Allez, on y va. Ça cicatrise bien. Prenez bien vos antibiotiques, hein. Ouais, les verres et blancs. Ouais, les verres blancs, ouais. Et les antidouleurs, vous en avez encore? C'est rouge et blanc, c'est ça? Ouais, les rouges et blancs, ouais. Voilà. Mais il est beau, non? Très bien. C'est plus beau pense-nous que j'ai jamais vu. Bah, je crois que...
Je vais pas pouvoir le regarder trop longtemps, ce gâteau. Il a l'air trop bon. Faudra que je goûte. Ben allez-y, c'est pour vous que je l'ai fait. C'est vrai? Oui. Bah, c'est trop gentil. Bah, j'ai beaucoup pensé à ce que vous disiez la dernière fois sur l'iguane, l'autre jour quand il y avait Violette, sur le fait qu'il fallait écouter. Ça m'a beaucoup plu. Merci. Non, mais parce que moi, dans ma tête, ça tourne sans arrêt, donc j'écoute pas assez, c'est vrai. Bah, j'écoute, c'est pour me calmer. Ça, je me concentre et je l'écoute. Je comprends. C'est super bon. Ça vous plaît? Beaucoup. Non, vraiment. Mais c'est pâtissier que vous devriez faire. J'aurais bien aimé, ouais. Bah pourquoi tu... Enfin, vous l'avez pas fait? Je sais pas. À chaque fois que je viens vous voir, je repars un peu... un peu différente. Bon, là, en l'occurrence, aujourd'hui, je vais repartir un peu plus grosse, mais... Ça, c'est pas... Quoi? Ah, parce que je suis... Non. Je crois que je vais faire une grave erreur. Le genre de truc qu'on dit aux filles de pas faire si elles veulent avoir une chance. Le genre de truc où, normalement, c'est les mecs qui le font, mais... Mais là, avec vous... Pardon si... Elle est pas là, maman? Eh non, c'est moi qui viens te chercher aujourd'hui. Elle m'a appelé, elle est dans les embouteillages. Et c'est toi qui vas me faire mon goûter alors? Bah ouais. Bien. Et pour mes devoirs? On verra pour tes devoirs. Et Guy, il est resté tout seul? Ouais, t'inquiète, tu gères. Tu viens m'aider? Je préfère que tu les fasses avec ta mère, c'est mieux. Pourquoi? Eh ben... Parce que c'est mieux les devoirs avec les mamans. Mais moi, faut que je les fasse maintenant. Eh bah, t'as qu'à les faire. Mais j'y comprends rien, viens. Il faut souligner les phrases qui sont pas si simples. Bah vas-y, souligne-les. Mais si je soulignais les phrases qui sont pas si simples? Eh ben, je sais pas, tu le fais quand même. Mais je peux pas. Eh ben, quand on peut pas, eh ben, on invente. Voilà. Tiens, t'as qu'à les souligner au hasard. C'est bien le hasard aussi. Mais comment je fais alors? Tu fais... Si, j'ai une idée. Tiens, ferme les yeux. Mets ton doigt en l'air. Voilà. Et tu le poses n'importe où sur le cahier. Hop là. Voilà. Ben là, tu vois, t'es sur un mot, ben, tu le soulignes. Voilà. Moi. Oh merci, t'es mon sauveur. J'étais chez un particulier à perpète, c'était horrible. C'est pas grave. Ça va? Bah ouais. Oui. Ma chérie. Ça va, ça a été? Oui. Bon, bah j'y vais. Déjà? Mais tu restes pas dîner avec nous? Non, faut que je rentre là. Ok. Ah bah attends, je t'offre un livre. Pour la peine. Bon bah tu vois, moi je suis une grande malade, j'adore lire. T'aimes quoi toi? T'es plutôt polar, roman, biographie? Ouais, ça biographie? C'est ouais. Ok. James Dean. Bah je trouve qu'il te ressemble un peu, tu vas voir, tu vas adorer. Il est fascinant. Fascinant? Ouais. Bah merci. Bah non, avec plaisir, merci à toi. Merci. Bon, bah, de toute façon, on se voit demain pour ton pansement. Ça marche. Salut, Violette. Violette, je te dis au revoir, ma chérie. Salut. On fera les devoirs au hasard. Ouais. Des quoi? Bah, bon, tu m'expliqueras après. Bon, bah.
Bah, bonne soirée. Ça marche, bonne soirée. Ouais, merci. À demain. Poubelle. Ah, vous avez reçu votre carte électorale. Faudra voter hein, dans 3 semaines. C'est important, c'est pour les maires. J'ai une question. Ça veut dire quoi, fascinant? Fascinant. Ah, fascinant. Bien, je dirais... De quelqu'un qui est fascinant, c'est quelqu'un qui nous attire, vous voyez, qui a du mystère, qui a un certain mystère, qui... Oui. Merde. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous m'avez pas dit que c'était un accident de travail? Ben, si. Non, parce que là, votre patron, il vous licencie pour faute grave. Licencie? Il vous met au chômage. Mensonge à l'embauche. Vous avez menti sur quoi exactement? Que je savais pas lire, mais normalement il le sait pas. Bah, apparemment maintenant il le sait. Savoir lire et écrire, c'est une information importante. Une information essentielle même. C'est pas moi qui vais vous rappeler que ça a failli vous coûter 2 doigts. Mais jusqu'à maintenant, ça m'a jamais posé de problème. C'est ça que je veux dire. Cramps, je suis désolé pour vous, mais il suffit que ça pose un problème une fois pour que ce soit grave. Et je sais pas, je demanderai aux autres de lire à ma place, enfin, maintenant qu'ils savent. Mais comment ça, maintenant? Ben oui, à partir de maintenant, je veux dire. Mais il n'y aura pas de maintenant, Léo. Je ne prends pas le risque. En plus, ce serait illégal. La règle est la même pour tous dans l'entreprise. Allez, au boulot. Je travaille ici depuis l'âge de 16 ans. Je sais... Ça vous a largement laissé le temps d'apprendre à lire. Et si vous l'aviez fait, on n'en serait pas là. Quoi. C'était déjà trop tard pour apprendre. Ah, ça, je ne crois pas. Il n'est jamais trop tard pour rien. Mais j'en suis pas capable. Mais je crois que si, mais bon. Hein. Chacun son chemin, mais moi, je ne peux pas vous garder. On trouverait un métier, je ne sais pas, moi. Jardin, service à la personne. Mais moi, je ne peux plus rien pour vous. J'ai jamais loupé un jour de travail. J'ai jamais été en retard, rien. Ça ne sert à rien de discuter. Quand une décision est prise, je veux dire, bah, elle est prise. Mais bon, je ne veux pas vous dire que c'est un mal pour un bien. Mais si. Justement, je vais vous dire. C'est peut-être un mal pour un bien. Je t'avais dit de rien dire, putain. Tain, mais j'ai pas pu faire autrement, ils voulaient faire une enquête. Mais on va pas te lâcher, on est là, on est solidaires. Mais ça sert plus à rien maintenant, là. Mais si, attends, on va faire une pétition, on va témoigner que t'as jamais eu de problème. On peut pas virer quelqu'un parce qu'il sait pas lire, c'est dégueulasse. Ça sert à rien, les pétitions. Par contre, il faut être sûr qu'il ait des indemnités pour son départ. Mais Léo, pourquoi tu nous as rien dit? Je sais pas, on aurait pu t'aider. Y a pas d'honte à pas savoir lire, hein, tu sais. On n'aurait jamais pu imaginer ça. Enfin, Léo, tu sais quand même lire ou pas du tout? Pourtant, t'as pas l'air comme ça. C'est vrai, il a pas l'air. Mais j'ai pas l'air de quoi? De quoi j'ai pas l'air, hein? Il a l'air français, c'est ça? Toi, il n'y a que les Noirs et les Arabes qui savent pas lire, c'est ça? Oh! En tout cas, moi, je suis d'accord pour la pétition. Je vais me renseigner pour tes droits, tu vas voir. On va faire ça bien. Mais tu sais pas compter non plus? Ah, mais lâche, ça n'a rien à voir, ça. Mais ça va, moi aussi, je suis d'accord pour signer la pétition, tu vois? Bah, le problème, c'est que si on fait une pétition, il pourra pas la lire. Ça, c'est vraiment méchant. Ouais, c'est méchant et c'est surtout très con. T'es vraiment con, toi. Pardon, mais c'est lui, là. Il est vraiment trop con, là. C'est Léo qui sait pas lire et c'est toi qui es le roi des cons, là. Léo, et peut-être que d'ici là, t'essaierais d'apprendre à lire un petit peu, non? Putain, mais je peux pas, ok? J'arrive pas! Ça va. Léo, oh, calme-toi, on va trouver une solution. Léo! Ah, c'est bien, là. Thank you.
surprise. Bon, remarque, moi, c'est pareil. Hein. Je viens de laisser Violette à son père. C'est inhumain. On va voir quand même. Ça dirait qu'on se fasse un petit resto chinois, histoire de changer les idées. Non, parce que je dois nourrir Guy. Bah, c'est pas grave, je t'attends. Je te donne rendez-vous dans une heure. Allez, s'il te plaît, j'ai pas envie de rester toute seule ce soir. Et je peux te poser une question? Bah, t'as quelqu'un? Non, mais tu peux me le dire. Bon, en général, moi, tous les mecs qui me plaisent sont prêts, donc... Non. Bonsoir. Bonsoir. Un F12 pour moi, s'il vous plaît. Très bien. Et pour vous, monsieur? Pareil, un F12. C'est très bien. Ça marche. Avec des nouilles, s'il vous plaît. Oui, le F12 est déjà servi avec des nouilles. C'est marqué. Ah, j'avais pas vu des deux. Mais t'étais sûr de vouloir prendre un F12 parce que... Très bien. Ouais. Ok. Ouais. Ouais. Merci. Mais il était interne quand je l'ai rencontré. Je le guettais à la sortie de l'hôpital. Non, c'est vrai, je me planquais derrière une voiture et je le guettais. Et dès que je le voyais arriver, je faisais semblant de le croiser par hasard. Oh, Damien, mais comment ça va? Mais c'est dingue! Mais vous me suivez ou quoi? On a conçu Violette à l'hôpital dans une réserve, entre un Doppler et des électrochocs. Puis, bah, comme c'était un accident, Damien m'en a toujours voulu. Il a essayé de passer outre parce qu'il a le sens des responsabilités, mais... Mais bon. Puis, il y a 6 mois, il a rencontré quelqu'un. Et... Bye bye, Nora! S'il vous plaît. Merci. Bon appétit. Merci. Au tout début... Au tout début, je l'ai carrément rayé de ma vie. Non, c'est vrai, je l'ai même blacklisté de Facebook. Moi, j'avais super mal. Puis... Bah maintenant, ça va un petit peu mieux. J'arrive à lui parler sans avoir envie de le dépecer. Mais tu manges pas? Si. Si, si. Et toi, t'aimes quoi en dehors du boulot? Les pâtisseries. Puis j'aime bien la musique aussi. Parents, quand ils sont partis, ils ont laissé tous leurs disques. Guy Pop, David Bowie, Police, Prince. J'aime bien écouter ça, j'ai l'impression qu'ils me parlent. Mais tes parents, ils sont partis? Ils sont partis. Ils ont dû faire la police pour des petits problèmes. Et qu'est-ce qui t'a élevé alors? Ma grand-mère. Et je peux te poser une question? Oui. Au premier rendez-vous, tu m'avais dit que t'étais allergique aux fruits de mer et tout à l'heure, quand t'as commandé le F12, bah, je me suis dit que peut-être les crevettes faisaient exception, mais... Non, mais j'avais pas mes lunettes et du coup, j'ai mal lu. Et si tu portes des lunettes? Léo, tu veux changer de plat? Non. Tu liras pas le livre que je t'ai offert. Apprendre à lire, moi, je suis là! Je te promets que je dirai rien à personne! Je te jure! Tout va en paix, garde-toi! Mais je peux t'aider! Garde-toi, je t'ai dit là! Pourquoi j'ai jamais appris à lire, hein? Pourquoi t'as pas insisté? Pourquoi tu m'as pas engueulé pour que sache lire? J'ai fait du mieux que j'ai pu. Mais putain, mais tu savais, toi, qu'il fallait qu'on sache lire. Qu'on peut rien faire sans ça. Moi, j'ai jamais appris. Et tu vois, ça va. Mais non, ça va pas. On peut même pas prendre un bus. On peut pas aller sur Internet. On peut rien faire. On peut même pas vivre. Qu'est-ce qui se passe, Léo? Mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois pas que j'ai plus de travail. J'ai plus rien. J'ai les doigts foutus, là. Calme-toi, je t'en prie.
Bois ton thé. T'es bien élevé, moi. Je ne sais pas bien ce que tu fais là. De m'accuser. Je veux savoir pourquoi. Pourquoi on est partout, on est au centre social, par exemple. Tu te souviens, quand j'avais 10-11 ans, tu m'as emmené au centre social. Tu devais s'occuper de moi. Il y a une dame qui m'avait mal parlé. Et alors? Bah alors, je lui ai mal parlé aussi après. Après, j'ai eu honte de revenir. Putain. On se débrouillait bien tous les deux quand même. Non, mais t'as eu honte de revenir. C'était pour moi, pour que j'apprenne moi. Qu'est-ce qu'il t'avait dit sur moi? Que c'était à cause que tes parents soient partis. Que tu pouvais pas lire, quoi. Et donc je pourrais plus jamais apprendre, c'est ça? On peut très bien vivre sans lire. On s'en est toujours sortis tous les deux. Putain, mais je veux pas m'en sortir, tu comprends? Je suis foutu, là! Qu'est-ce que t'as, ça va? Ça va? Oh, mamie, ça va? Madame Perez, si vous faites pas vos examens, je ne peux rien faire, moi. Il faut les faire, vite. Je compte sur vous. Dès que je pars, vous appelez l'hôpital et vous prenez rendez-vous. Ils vont vous recevoir dans la journée. Je travaille là-bas 2 jours par semaine, ils me connaissent. Mais ils vont me garder. Peut-être, mais ce qui est sûr, c'est que ça devient urgent, vraiment. Je compte sur vous, jeune homme. Je veux pas y aller. Ils vont me garder. C'est pas toi qui voulais voir la mère? Pourquoi ça marche pas? Oh, c'est bon, là? Et je comprends pas, je pensais qu'elle parlait maintenant, les machines. Tu sais, comme les bah, téléphones, oui, là, oui, quand t'appelles. Oui. Et celle-là, elle marche pas, elle est peut-être cassée. Mais non, mais puis en plus, y a plus de guichet maintenant dans ces gares, là. Putain. Vous foutez quoi, là? Bon, hé, hey, ça va. Non, c'est pas ça, là. Mais tu envoies un mail ou quoi? Ouais, ça va, tu fermes ta gueule et t'attends maintenant, là. Tu me dis quoi, hein? Mais t'es fou, toi? Écoutez, monsieur, on n'a pas nos lunettes, excusez-nous. Et c'est ça, les problèmes? Oui. Mais il fallait les dire. Ah. On ne peut pas faire quelque chose s'il faut demander des lettres, non? Vous allez où? Saucer. Saucer. Ouais, ça c'est. Elle est très bien, cette revue. Hein? Ah, elle a de très belles images, car. Dis-moi, tu travailles bien à l'école? Bof. Bof? Tu sais lire? Bah oui, quand même. Tu peux me lire ce qui est écrit là? Nora Daoud, infirmière. Mais tu lis très bien. Nous, on va à la mer. Thank you.
Tu devrais répondre. Ça fait plusieurs fois qu'on t'appelle. Et toi, Léo? Oui, Léo. Si tu as une femme qui t'intéresse, il faut te jeter à l'eau. T'en as déjà eu des femmes ou pas? Ouais. J'aime mieux quand je les paye. Oh, bah voilà une réponse. Mais c'est pas de l'amour, ça. Non, mais ça c'est juste du dépannage. Oh. Ah, ça te plaît alors d'être ici, à la mer? Ah oui. C'est beau, la mer. Puis je suis avec toi. Allez. On est encore bien mieux comme ça. T'as vu l'état de ton pansement? Il n'y avait pas d'infirmière là où t'étais. T'étais où d'ailleurs? J'étais chez ma grand-mère. Il n'y avait pas beaucoup de réseau là-bas. Ben, j'ai vu ça. Il y avait l'eau courante quand même? En tout cas, je voulais dire que j'ai pas arrêté de penser à toi, moi. Et ça change rien à ce que j'éprouve pour toi. Tu sais lire, tu sais pas lire, je m'en fous, moi. Après, bien sûr, peut-être que c'est moi qui suis pas ton genre, et dans ce cas-là, je peux comprendre. Je te l'avais dit qu'on te battrait pour toi. Je te l'avais dit ou pas? La journaliste, elle est de la Marseillaise. Tu connais? C'est un journal de gauche. On va faire du bruit, Léo. On va faire beaucoup de bruit. Crois-moi. Salut, Léo. J'ai menti. J'ai dit que je savais lire et écrire, mais je sais ni lire ni écrire. Mais pourquoi vous avez menti? Parce que j'étais jeune et... j'avais honte. J'ai toujours honte. Puis surtout, je me suis dit qu'on me donnerait peut-être pas le travail. Mais en France, vous savez, un illettré sur deux a du travail. Illettrisme, ça signifie pas incompétence. Ah, je sais pas. Et donc, pendant 7 ans, vous avez travaillé ici sans avoir d'accident et sans être démasqué. Vous savez, quand... c'est pas lire et qu'on n'a pas les mots, bah, faut être malin. Donc, vos collègues pensent que si vous êtes renvoyé, ça sera une double peine. Vous en pensez quoi? Oui, j'ai beaucoup de peine. Quoi? Non, double peine, ça veut dire que vous serez puni deux fois. D'abord parce que vous avez eu un accident grave, et puis ensuite parce que vous allez être renvoyé. Vous allez perdre votre travail. Oui. Donc vous vous sentez puni deux fois? Oui, enfin, je sais pas lire, mais je suis un bon ouvrier. Vous y pensez souvent à votre illettrisme? Je pense tout le temps. Tous les jours, je me demande ce qui va me tomber dessus. Tu m'attends le soir. Tout le temps. Et c'est pour ça que vous avez décidé de témoigner. Je veux pas témoigner. C'est ce que vous êtes en train de faire, là. Je fais un portrait de vous. Comment ça? Vous allez dire mon nom, là? Ben oui, il faut. Et puis une photo. Sinon, ça n'aura pas d'impact. C'est votre histoire qu'on veut raconter. Mais moi, je veux pas que tout le monde sache que... mon nom et que je sais pas lire. Je vais apprendre. Je veux pas que tout le monde croit ça. Vous risquez de faire la première page, vous pourrez être fier. Ben oui, et en plus, si ça fait beaucoup de bruit, Vinclair, il osera pas te virer comme ça. Non mais attends, mais moi, je m'en fous. Je veux pas qu'on dise mon nom. Il a raison. Ça peut vous aider à conserver votre emploi.
Et puis ça fera avancer la cause de l'illettrisme. Enfin, ça serait généreux. Mais j'en ai rien à foutre, moi, d'être généreux. Ah, mais Léo, vas-y, laisse-moi, toi. Bien m'apprendre à lire. Mais tu sais lire, toi? Non, je sais pas lire. Tu veux bien? Ben oui. Puis moi, en échange, je peux te garder le soir. Comme ça, maman, elle peut travailler un peu plus tard. Oui! Ouais. Merci. Je peux même pas faire un chèque, faire mes courses sans jamais acheter la même chose. Je sais pas, lire les stations de métro, lire les noms de rues, les publicités. Tiens, les films, quand ils sont pas en français, c'est pareil. Je peux pas voter. Même écrire une lettre d'amour. Ah bah tu vois, juste pour ça, je vais me donner à fond. Quand tu penses à quoi? Tu vois, moi, je me suis dit, celui-là, il est bien. Bon, d'abord parce que c'est très simple, et puis les images, elles sont super belles, tu vas voir. C'est Sorisso qui apprend à lire. Non, pas ça. Ok, alors attends, cherchez celui-là aussi. La grenouille mal polie. Je suis pas une grenouille mal polie. Bah non, je sais. Non, toi, t'es plutôt un prince charmant bien élevé dans le genre, tu vois. Oh, je veux pas des livres d'enfants. Bon. L'alphabet, tu connais? Ouais, ça va, je suis pas débile non plus. Ça va, j'en sais rien, moi, t'énerve pas. Mais non, mais les lettres, tout ça, je connais. Je suis pas complètement nul, ça va. Mais j'ai pas dit que t'étais nul. Je peux quand même lire une phrase, mais c'est surtout ce que ça veut dire que j'arrive pas à comprendre. Puis quand j'écris, j'attache tous les mots. Bon, c'est quoi ton rêve? Là, qu'est-ce que t'aimerais pouvoir lire? La première chose. Une recette. Une recette? Ouais. Un truc bien compliqué à apprendre, tu sais. Un truc qu'on peut pas retenir comme ça par cœur. Mais parler d'un dessert, c'est... Ouais, risotto, lait de coco et mangue, c'est ça. Risotto, lait de coco et mangue? C'est ça. Ok, je vais chercher ça. Là, la première lettre. R. Et là? I. Et ensuite? Z. Très bien. Donc le R suivi du I suivi du Z, ça donne quoi? Je sais pas. Le riz. Le riz. C'est simple, ou le riz? Mais le riz, mais j'allais te dire, mais regarde pourquoi il y a le Z à la fin alors. Oui, mais justement, on le dit pas, le Z, ça se prononce pas. On dit pas le riz. Tu dis le riz, toi? Mais oui, mais alors pourquoi? Mais c'est ça le truc. À chaque fois, il y a des lettres qu'on prononce pas, tout ça. Mais c'est. Je comprends rien, moi. Bah ouais, mais c'est ça qui est beau. C'est ça, c'est les surprises des mots. C'est leur piège aussi. Et tu pourrais aimer les lettres, j'en suis sûre, Léo. Je te jure. Même les lettres inutiles. Et puis. Tu vois, si tu y as pensé, faut tenter le coup. C'est pas grave de se tromper, au moins t'essaies. Faut toujours tenter. Puis après, il y a la déduction. Là, je suis en train de te lire la recette du risotto. Donc la logique veut que ce soit le riz, le riz. Mais la logique, moi, je me concentre pas sur la logique. Je me concentre sur le dessin de la lettre, c'est déjà pas mal. Enfin... Oui, c'est vrai, c'est pas mal. Mais maintenant, il va falloir apprendre à faire le pont entre la logique et le dessin de la lettre. Mais c'est trop dur de faire le pont, enfin, j'ai... c'est trop... Mais si... Pas fatigué? Non, je suis pas fatigué, on vient de commencer. Allez, on y retourne. Allez. Alors là, tu vois, il manque une lettre à chaque mot.
Donc il va falloir compléter par les lettres N, R ou V. Donc là, c'est quoi? La sous I. Qu'est-ce qui manque? R. Ouais, R. La souris. Très bien, très bien. La souris. Tiens, complète. Souris. Comme ça? Non, là, t'as fait un V. Je sais, ça ressemble au R. Mais on veut cette lettre-là. Ah ouais. C'est dur, tous ces trucs de qui se ressemblent. Vive. Adam. Vivez à fond. Demain, il... Putain, ça va trop vite. Vivez à... Ma grand-mère, c'est pas pareil. Elle est analphabète. Ou elle a jamais appris. C'est pour ça qu'elle a moins l'impression d'être nulle. Mais t'es pas nulle. J'aime pas quand tu dis ça. Si, je suis nulle. J'ai appris et j'ai pas réussi. Non, mais t'es quand même allé jusqu'en troisième. Comment t'as fait pour aller jusque-là? Moi, je trichais. J'apprenais par cœur et puis, hein, quoi, je me débrouillais. C'est un moment fatidique. Attends, mets la deuxième manche. Mets, bisous mon cœur. Bisous. Mets la deuxième manche, tu vas te couper. Qu'est-ce que t'as fait, ça va? Oui, non. Qu'est-ce que tu t'es fait? Ça fait insupporter Violette, ça. C'est nul. Je voulais un couple qui dure, une belle famille. Je me retrouve à regarder ma fille partir le soir de son anniversaire. Le... Oui. Après. C'est quoi ce mot? On l'a déjà vu ensemble. On a commencé par ça. Ah bon? Ris. Oui, c'est ça le mot, ris. A suivi de U. On l'a vu ça aussi. Qu'est-ce que ça donne? O, ça donne O, autour du sucre. O suivi de U. O plus U. On l'a vu, Léo. O, autour, c'est ça le mot, c'est autour. Bon, moi j'ai des visites, là je peux pas tarder. Il manque une lettre. Bah, excuse-moi, mais pourquoi tu me regardes avec cette air étonnée? On l'a déjà vu souvent, ce mot. Je sais qu'il y a un truc, mais... Eh bah, concentre-toi! Travaille, apprends, révise! Pour apprendre, faut réviser! Tu fais quoi toute la journée? C'est quoi la lettre? Z, la lettre c'est Z. Mais en même temps, voilà, on l'entend pas dans... Mais Léo, t'es bête ou quoi? Je te l'ai déjà dit! Y'a plus... Putain, tu dis pas, je suis bête, ok?
Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? Un malaise. Au Franprix. Et la docteure, elle a dit quoi? Qu'il fallait me mettre à la casse. C'est quoi ces médicaments-là? Bon, qu'est-ce que j'en sais, moi? Hypertension. Tu apprends à lire? Un petit peu, ouais, avec l'infirmière qui vient me faire la piqûre. Nora? Comment tu sais ça, toi? Eh, tu sais, quand on sait pas lire, il paraît qu'on développe des super pouvoirs. Qu'est-ce que tu crois? Et alors? Ça te sert à quoi de savoir lire? Pour l'instant, à rien, mais je suis pas encore bien. Elle t'apprend bien? Elle s'occupe bien de toi? Ouais, ça va. C'est tout? Bah, c'est comme je t'avais déjà dit, hein. Bon. Qu'est-ce que tu m'as dit déjà? Bah, tu sais qu'on peut pas m'aimer, moi. C'est comme si j'étais un monstre, mais à l'intérieur. Puis, plus elle s'approche de l'intérieur, plus elle voit le monstre. Mais si t'apprends à lire, ça ira mieux. Je t'assure. Il s'éloignera, le monstre. Il aura peur, il s'éloignera. Je sais pas. Tu vas y arriver. Parce qu'il y en a là-dedans. Mais tu vas y arriver. Je l'ai toujours dit, hein. Et puis après, c'est de moi que tu auras honte. Mais c'est pas grave. Tu seras pas obligé de me présenter, tu sais. Qu'est-ce que tu racontes, c'est... Moi, je veux te présenter. Je te présente à tout le monde. Si je pouvais te présenter au pape, je te présenterais au pape. Ça risque d'être compliqué. Hein. Oh, t'es un amour. Je t'aime fort. Ne te décourage pas surtout. Tu laisses rien passer. C'est promis. Faut pas avoir peur. Mais c'est parce qu'aujourd'hui on est dans l'ère de la post-vérité. Pardon. Non, 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 excuse-moi. Non. Mais non, mais c'est pas ça. Bah, j'explique parce qu'au moins elle s'intéresse. La post-vérité, en fait, c'est que la vérité elle a plus d'importance. Et ce qui compte aujourd'hui, c'est d'affirmer les choses comme si c'était des vérités. Ah ouais. Non, mais tu sais quoi? Le bouquin est super, je te le passe. Ah bah, à fond. Ah ouais? Ouais. Ah non, ça m'intéresse vraiment. Ah ouais, bah super. Toi, tu l'as lu, Léo? Oui. Peut-être. Non. T'es sur Facebook? Non, j'ai pas Facebook. Hein. Ah. Bah, tu vois, ça, Léo, ça, c'est super classe. Non, parce que moi, je suis complètement addict et j'ai complètement du mal à m'en détacher, mais ne pas avoir Facebook aujourd'hui, c'est. Mais vraiment. Je te respecte totalement. Par exemple, toi, t'es sur Facebook? Ah oui, non, mais moi, je suis carrément addict. Ah ouais. Donc, je t'envoie une invitation en ami et tu me réponds comme ça, tout de suite. Oui, quoi. Ah bah, avec plaisir. Oh là là, pas bien. Ouais. Mais t'es hyper timide, en fait. J'ai du mal à m'enfermer, quoi. T'as quoi? Parce que ça fait. Ça fait hyper. Non, mais ça fait lapsus révélateur, du coup. Ouais, un petit peu. C'est mignon. Infirmer. Infirmière. T'es trahi, tu vois. Ouais. Grand timide, quoi. Non, juste, j'arrive pas à m'infirmer, c'est tout. Mais tu sais, moi, par exemple, Léo, il y a des mots que j'arrive pas à dire. Par exemple, panégyrique. Non, c'est vrai. Bon, je l'utilise pas souvent, tu me dis. Non, mais je le dis tout le temps. Attends. Comme ça, moi, quand j'étais petite, j'arrivais pas à dire coquelicot. Je disais toujours cloclicot. Non, mais c'est mignon, ça. Cloclicot, j'adore. Non, arrêtez, tout le monde s'est moqué de moi. Cloclicot. Bah oui. C'est charmant, quoi. C'est charmant. C'est de famille. C'est ça, c'est ton déjà panique, quoi? Panégyrique? Bisous, merci. Waouh, ouais, merci, ma chérie, ça m'a fait plaisir. Bon, et toi, mets un peu de mon pouvoir. Ah non, c'est dégueulasse. Moi, je fais pas ça. C'était cool. Ouais.
Du coup, j'espère vite. Bah ouais, voilà. J'espère aussi. Ouais. Bye bye. Pour le livre. Sur Facebook. Ouais. Ouais, carrément. Hein, on se tient au courant. Ouais, j'y. Bon, on va rentrer bien. Merci. Bonne soirée. Bisous les filles. Non, mais laisse, Léo. Non, c'est bon, là, t'en as assez fait, je ferai demain. D'ailleurs, merci pour ce soir. Merci pour les desserts, c'est trop bon. Merci pour les coups de main, merci pour tout. De rien. Non, mais excuse-moi, mais je suis crevée la soirée, j'ai trop bu, je crois. Je suis épuisée. Mais c'est ça. T'étais pas fatiguée pour parler écologie avec Laurent, hein? Quoi? Léo! Non, j'aime pas le mot bienveillance. Bah, pourtant, c'est pas mal. Attends, écoute. Adélaïde, dont la bienveillance envers ses proches, envers ses voisins... Non, on comprend rien. Laisse tomber. Ok, bah tu veux dire quoi, alors? Mais j'en sais rien, moi, qu'elle était gentille, qu'elle avait du caractère. Mais attends, tu vas pas dire Adélaïde qui était gentille, qui avait du caractère. Mais pourquoi pas? Ouais, vas-y, relis-moi ce que t'as écrit, là. Adélaïde, c'est dans ton énergie que je puise pour prononcer ce discours aujourd'hui. Tu étais une grand-mère extraordinaire et aimante, tu me faisais rire. Adélaïde, dont la bienveillance ou la gentillesse... Laisse tomber, vas-y, c'est pas ça que je veux dire, là, t'as rien compris. Eh ben fais-le toi-même alors, putain. Pardon. Excuse-moi, mais t'es chiant aujourd'hui. De toute façon, vas-y, j'arriverai jamais à relire tout seul. Mais je t'aiderai. Je t'aiderai, moi, Léo. Je crois que Léo, le petit-fils d'Adélaïde, va nous dire quelques mots. Adélaïde, c'est toi qui m'a élevé. Tu vas me manquer. Parce que tu es gentil. Nous j'ai amené
Je nous ai amenés à la plage et tu as aimé. C'est gentil, ton collègue est venu. Il a appelé pour des nouvelles. Alors, je lui ai dit. Tu lui as parlé un peu? Je lui ai dit que j'allais pas revenir. Que j'essaierai de chercher autre chose quand je saurais lire. C'est super. Bon, bah, on va se remettre au travail. Hein? On va aller chercher Violette, là. Si, oui, on doit y aller. Je vais aux toilettes et on va y aller. Je t'ai ramené des chocolats. Bon, je suis pas sûre que ce soit le bon moment pour toi d'en manger, mais je me suis dit que... Que tu pourrais avoir pitié comme ça. C'est plus simple. Comment ça? Je sais pas, c'est plus simple d'avoir de la pitié pour un suicidé que pour un illettré. Alors vas-y, lâche-toi. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai pas de pitié. Au contraire, j'ai beaucoup d'admiration pour toi. Tu crois que je l'ai pas senti? Tu crois vraiment que je le vois pas? Dès que t'as su que je savais pas lire, tu m'as plus regardé pareil. T'as là, tu joues les infirmières pour tout le département, mais t'es même pas foutu d'aimer un type qui est juste à côté de toi et qui sait pas lire. Bah, je... Pardon, je suis désolée si je t'ai blessée ou je vais... J'ai juste essayé de faire comme j'ai pu. Faut pas essayer, tu vois. Vas-y, dégage, je vais voir ton Laurent. Attends, tu sais que je suis perdue là, moi aussi? Tu sais ça ou pas? Léo, ça change rien. Tu saches lire ou pas lire, je m'en fous. Mais tu crois vraiment que j'ai pas vu ta manière de me regarder dès que j'essayais d'écrire? Mais si je te regarde, c'est parce que t'es lent. T'es lent, c'est vrai, t'es lent. Et moi, je suis impatiente et... Mais si je suis lent, c'est parce que tu sais pas apprendre. Ah, pardon. Excuse-moi de pas être le plus grand professeur du monde. Pardon, je suis désolée. Merde. Prends tes chocolats de pitié et dégage, là. Dégage, t'ai dit. Non, mais je veux vraiment y aller à ce stage. Vraiment.
C'est un engagement d'apprendre, c'est difficile. Hein. Si c'est pour abandonner en route... J'abandonnerai pas. Si c'est pour trouver un prétexte après pour ne pas y aller... Je ferai pas ça non plus. Bon. Eh bien ça, c'est une très bonne nouvelle. Je vais signifier votre décision à Pôle emploi. C'est un point très positif. Je veux pas être indiscrète, mais... Qu'est-ce qui vous a décidé? Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Je sais pas, enfin, c'est... tout. Bon, bon. Je vous mettrai le numéro de téléphone, bien entendu, de la CPM dans votre téléphone, avec un grand A. Hein. C'est la première lettre de l'alphabet. Un A majuscule. Ça marche. Quand j'étais petite, mon père, il voulait pas que j'apprenne. Il savait pas lire et écrire. Alors il voulait pas que moi j'apprenne. Ça le rabaissait. Alors le soir, il m'empêchait de faire mes devoirs. Il m'envoyait travailler au potager. Ma mère, elle disait rien. Alors je vous laisse imaginer l'école. J'ai fait CP, CP, CE1, CE1, CE1. Toujours au fond de la classe avec la maîtresse qui disait que j'étais la bonne à rien. Je m'appelle Akila. Ça fait 30 ans que j'habite en France. Je viens de petit village au sud de l'Algérie. Et dans ce petit village, les garçons ils vont à l'école, mais les filles vont pas à l'école. Et ça me manque beaucoup, parce que j'ai trop envie d'y aller à l'école. Parce que des fois, je dis, j'aimerais bien être un garçon pour y aller apprendre avec les garçons qui vont à l'école, ouais. Parce que je suis une fille, j'ai pas droit. Ouais. Voilà. Et pourquoi est-ce que vous aviez envie et besoin de lire et écrire? Parce que comme ça, je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Comme ça, je me débrouille toute seule. Oui. Ouais. Et pour remplir mes papiers. Ah oui, pour remplir les papiers administratifs. Voilà, administratifs. Mmh. Et passer mon permis aussi. Ah oui, ce serait bien le permis, j'imagine ouais, que, oui. Que vous voulez tous passer que... votre permis. Ah oui. Oui, oui. Puis faire des textos aussi. Ouais. Ah oui. Et faire des chèques. Oui. C'est bien les chèques. Mais je sais pas ce que vous avez tous avec les chèques, que plus personne ne fait de chèques aujourd'hui. Ah bah si, ça compte quand même, allons. Ouais. Oui, ben on en reparlera dans un an. Hein. Ouais. Alors, dites-moi des mots avec la dedans. Allez-y. La mer. La mer, ben non. La mer, c'est deux mots, tu vois, Gérard. Non, moi je vous demande des mots avec la dans un seul mot. Je vous donne un exemple. Laver. Le verbe laver. Il y a la. Chocolat. Chocolat, très bien. Lavande. Lavande, très bien. Larme. Larme, très jolie. D'autres? Je crois que j'en ai un, mais... Lavabo. Excellent. Lavabo. Pas besoin de lever le doigt, Léo. On n'est pas à l'école. La ville. La ville, et non. C'est comme la mer. C'est deux mots. Deux mots séparés. La, plus loin, ville. Je vous redonne un exemple. Les verres sont lavés. Dans laver, il y a... Voilà, voilà. Deux syllabes, mais c'est un seul mot. Vous voyez? C'est quoi? Larme. Solène? Pour Solène? Oui. C'est quoi ces lettres? Un mot. Bien. Et c'est quoi un mot? Pour Solène? Oui, pour toi, Solène, mais pour tout le monde. C'est quoi un mot? Pour moi, ça fait peur, c'est un inconnu. C'est-à-dire? J'ai jamais su ce que c'était un mot. Ça m'a laissé tomber. Comment ça? Ben, l'école, mes parents, ça m'a laissé tomber.
un chat. Les vaches. La hache. La cheminée. La cheminée. D'eau. Don. Don né. De. Drapeau. Coupé. Stylo. Couteau. Mouton. Beau. Foudre. Tableau. Haute. Foudre. Et croire. Et croire en moi. Bordeaux. La ville de Bordeaux. Bordeaux. Poète. Essaye de prononcer toutes les lettres. Poète. Alors, je vous ai fait mettre deux par deux, parce que dans cet exercice, j'aimerais que vous décriviez le physique de votre partenaire. Il est mince. Mince, très bien. Mince. Alors, mince, comment tu l'écris? Mince. M. M. M-A-I. I, oui. N. 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 I-N. Mince. Excellent. Alors, par contre... C'est joli. C'est avec un C-E. C'est joli. Ah, ça, c'est je peux le mettre, ça? M-I-N-C-E. Non. T'écris petite. T'es petite et jolie. Toi, qu'est-ce que tu veux écrire là? T'es barbu. Jeune. Jeune. Ouais, c'est bien ça. T'as juste oublié le U là, juste après le E. U. Comme ça? Ouais, très bien. Ouais. Moi, je sais ce que j'écrirai sur les O. Quoi? Mignon, craquant. Sexy. Wow. C'est vrai. Seul. O suivi de I. Je sais pas, je suis fatigué là en fait. Oh, un jeune homme robuste comme toi. O suivi de I, Léo. Je sais pas, il est trop compliqué ce mot là, c'est trop dur. Pourquoi il est dur? Mais parce qu'il y a trop de voyelles, je sais pas, on dirait un mot d'une langue étrangère, là. Oui, mais pourtant, on a déjà vu les voyelles assemblées qui forment un son. Allez, essaie, Léo, je suis sûre que tu peux y arriver. Ah, je suis vraiment fatigué, là. Ah, Léo, alors, bon, les autres. Est-ce qu'il y en a un qui peut me dire O suivi de I, mais sans me dire le mot en entier? O suivi de I, ça fait oua. Oua. Très bien, Akila. O suivi de I, ça fait wa. Comme moi. Comme toi. Comme soi. L'estime de soi. On l'a vu, ça, pourtant, Léo. Je suis fatigué, là. Léo,
Bon, bah écoute, ça fait plusieurs jours que tu viens pas. Il faut pas que tu te décourages, hein. On a beaucoup de choses à faire ensemble. Et puis tout le monde t'attend ici. Léo, c'est Suzanne. Ah, me dis pas que j'ai monté cet étage pour rien, l'ascenseur est en panne. Tu ouvres, s'il te plaît? J'ai l'air con, là, sur ton palier. Je te jure que je vais pas t'engueuler. Merci. Pardon, hein, mais je peux pas laisser une brebis s'égarer comme ça. Tu sais pas lire, mais tu sais parler quand même, Léo. Moi, je peux tout entendre. J'y arriverai jamais. Pour apprendre, il faut penser qu'à ça. Tu fais des super progrès, tu le sais. Ouais, je crois. Tu dois avoir que ça dans la tête. T'occuper de toi d'abord. Alors reviens demain, d'accord? D'accord? D'accord. Y'a Léo, y'a Léo. À demain. Ça va? Bonjour Léo. Léo, on te voit plus jamais? Mais non, parce que maintenant j'apprends à lire dans une école. Et c'était qui la dame, ton amoureuse? Non, c'est mon professeur de lecture. Comme maman? Voilà, c'est ça. Ça va mieux, t'as moi? Ouais, j'ai plus mal. Hein. De temps en temps, ça lance, mais je prends une petite pilule rouge et ça passe. Maman, elle veut déménager à Lyon, mais d'abord, faut que je termine l'école. C'est vrai? Ouais. Je vais récupérer la clientèle de ma mère là-bas. Il va bien, Guy? Oui, il va très bien. Tu lui manques beaucoup. Tu veux lui dire bonjour? Non, on n'a pas le temps. On y va. Au revoir, Léo. Salut. James. James. Dean. N'était. Guerre. Plus. Qu'un. Enfant. Dean était quelqu'un avec qui on pouvait aisément s'identifier. En quelques mots, ou même un mot. Dites comment vous vous sentez aujourd'hui. Fatigue. Fatiguée. Fier. Fier. Fier d'être arrivé à faire tout ce qu'on a fait ici. J'aurais jamais cru. Ensoleillé. Ensoleillé. C'est-à-dire? Ben, il y a des jours, je suis nuageux, non, nuageuse. Et aujourd'hui, je suis ensoleillée. Désolée, je suis en retard. C'est pas grave. Pas grave du tout, Léo. Assieds-toi. Assieds-toi. On est en train de faire un exercice. On essaie de dire en quelques mots comment on se sent aujourd'hui. On a eu un très joli ensoleillé de Solène. Et toi, Léo? Qu'est-ce que tu dirais comme mot? Content. Heureux même. Mais je dirais ça, heureux.
Avec un H au début et un X à la fin. Diplôme donc? Non, mais je sais qu'il en faut pas forcément pour être pâtissier. C'est vrai, et c'est très différent de ce que vous faisiez avant. Pourquoi vous vous dirigez vers la pâtisserie? C'est ce que j'aime faire. Je me sens beaucoup plus utile à faire ça. Puis j'en fais souvent des pâtisseries chez moi. Oui, j'ai vu dans votre lettre de motivation. Vous allez avoir beaucoup de choses à apprendre. Les farines, les pâtes, la trempeuse, le sirop, le pétrissage. Vous ne connaissez pas tout ça? Et je peux apprendre. Je ferai la formation et... J'ai acheté un livre qui explique bien tout. Un très bon livre. Je suis vraiment très motivé. Je voudrais être pâtissier pour un grand restaurant un jour. Je sais que c'est possible. Salut. Salut. C'est, je viens de croiser le gardien, il m'a dit que tu déménageais aujourd'hui. Ah, ça fait bizarre. Ouais. Tiens, je t'ai ramené ça. Merci. Bah, tu sais, moi, j'aime que les pâtisseries que tu fais, toi. Et c'est moi qui les ai faites, justement. Ah bon? Ouais, je travaille là. Bah, bravo. Waouh. Il y en a une au citron pour virer, je sais qu'elle aime bien. Bah, là, elle est chez la voisine, avec les cartons, j'essaie de la caser ici et là, mais je lui dirais que c'est de ta part. T'as qu'à lui dire de la part de James Dean. Tu l'as lu? On m'a dit que je jouais comme Brando, avant même que je sache qui il était. Oh, j'en reviens pas. Et avec Laurent? Ben, c'est fini. Je voulais te dire merci. Merci pourquoi? Mais j'ai rien fait, moi. Bah, si. Merci. Bah, moi aussi, je peux te dire merci. Et j'ai beaucoup réfléchi aussi à ce que tu m'as dit le jour où t'étais très en colère contre moi à l'hôpital. Et t'avais raison. Non, c'est vrai, même si ça m'a fait du mal, c'est vrai, t'avais raison. J'avais de la pitié. C'est pas grave. J'arrive à m'affirmer maintenant. Parce que tu... T'étais... Tu quoi? Tu trouves pas les mots?
c'est pour toi, c'est mon cahier à fleurs, c'est pour que tu te souviennes de moi. Merci, mais je me souviendrai de toi toute ma vie. Et moi de toi. Bye bye, Iggy. Mon Adélaïde, ma grand-mère, voilà plus d'un an que tu es morte. Et je n'avais pas pu te dire au revoir. Maintenant, je sais. Je sais lire, je sais écrire, je peux choisir les mots qui te ressemblent. Ça me prend du temps, ce n'est pas grave. Tu disais que j'aurais honte de toi quand je saurais lire. Eh bien, c'est tout l'inverse. Plus je lis, plus j'écris, plus je suis fier de toi. Plus je me demande comment tu as fait, sans les mots, pour garder ta joie, ton énergie, ta curiosité. Tu veux savoir ce que ça fait de savoir lire, j'en suis sûr. C'est comme si les choses prenaient du relief. Comme un dessin qui sortirait de la page. Tu me manques, tu sais. Adélaïde, je vais bien. Je ne sais pas si je pourrais accomplir tout ce que je veux faire, mais la bonne nouvelle, c'est que je veux plein de choses. Parfois, je me demande si tu n'es pas morte pour me laisser apprendre. C'est peut-être seulement parce que c'était ton heure. Je pleure en écrivant ces mots sur mon cahier. Parce que je sens ta main sur mon épaule. Et j'entends ta voix qui me dit: si tu n'essaies pas, tu ne sauras pas, mon fils.